Salut les fidèles, bienvenue dans mon jardin secret. Alors le jardin secret aujourd'hui, il est en Suisse. Je suis à Champéry, ça s'appelle. Hein. Champéry. Il y a un festival du monde. Et des années. Hein. Et je vais passer tout à l'heure là. Et puis la Christelle. On s'est retrouvés tous les deux. Voilà, la Christelle, elle passe juste avant moi. Et tu es déjà passé toi ici? Ouais, 3-4 fois. Mais je suis une habituée ici. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans. Tu fais quoi en ce moment? En ce moment, je suis. Et c'est la dernière lettre de ma tournée là. Puis je vais reprendre au théâtre. Tu sais, le théâtre de la Tour Eiffel dans lequel tu dois venir. Dans lequel on fume pas? En plus, il est juste à côté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il va arriver, il est juste à côté de ma loge, il va fumer toute la soirée, il va m'enfumer. Mais non. Et il faudrait que tu passes. Donc, voilà, mais je passerai tout voir ma chérie. Première route au fin janvier. Alors, tu sais, dans notre jardin secret, on repasse des trucs. Alors, je savais pas parce que tu es venu tellement de fois dans l'émission. Qu'est-ce qu'on pourrait repasser? La première fois où tu es passé, la deuxième fois, tu te souviens? Je me souviens de toutes les fois. Moi, il y a 10 ans. Là, je me souviens d'un truc, c'est qu'on passait pas beaucoup en télé au Palais des Glaces et il n'y avait aucune télé qui voulait nous prendre. Et on avait postulé pour passer chez toi et on avait dit non, mais Patrick Sébastien, jamais. J'avais une superstition. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Je t'ai raconté ça. Oui, tu l'as raconté à l'antenne. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que. C'est vrai, j'ai deux choses de l'éléphant. J'ai la mémoire. Non, ça y est, c'est sûr que tu vas te faire avec la blague. Oh non. Non, je me rappelle. Je vais te dire ce que je me rappelle de vraiment génial qui est resté gravé dans ma mémoire. C'est un moment avec les Gypsy Kings. Tu m'avais dit, ouais, si tu veux, la fois d'après, on fait un truc avec d'autres artistes. Il y avait les Gypsy. Ouais. Et ils étaient, je sais pas, 15, comme d'habitude. Ouais. Et on avait chanté un Piaf. Mais dans l'émission. Dans ton émission, on avait chanté un Piaf. Je me rappelle, il y avait un décor, on était tous assis sur des chaises, ça faisait un petit peu feu de camp et tout ça. C'était pas les années bonheur alors? Si, c'était les années bonheur, au tout début, ouais. Et, on va trouver ça. Et je me rappelle d'un truc, c'est que mon guitariste Raphaël, qui est toujours là d'ailleurs, on s'était mis d'accord avec les Gypsies pour chanter la chanson, qu'il fallait qu'ils connaissent les accords et tout. Ouais. Et c'est un truc qui m'a marqué, ils étaient tous en rond comme ça. Et Raph leur dit, bon alors là c'est un La, là c'est un Sol et tout. Et puis les Gypsies ont fait, non. Une fois Chico il en a fait une comme ça parce qu'il y en a un qui a dit qui c'est qui dit 3-4 pour des qui c'est qui compte pour démarrer. Et Chico s'est tendu, mais d'où tu sais compter toi? Et après sinon avec tous les Gypsies, chaque fois qu'ils sont dans, ils sont souvent dans les émissions de Patrick, et ben ça se passe toujours dans les loges. J'ai jamais fait d'émission de télé où il y a autant de gens qui chantent. La dernière, c'était le bon temps. Non mais c'était ah oui, c'est fini. C'était merde. Le bon temps. Ben ouais, c'est fini. Merde. Et on voit les images, on en discute juste après. Et bonjour ma belle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça nous fait plaisir que tu sois venu dans cette émission parce que t'as vu, il y a quand même du choix, c'est joli, hein, c'est bon chez nous. Vous faites une soirée entre mecs ce soir. Quoi? Vous faites une soirée entre mecs ce soir. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mecs, mais pas que ça. Attends, Patrick, Chico, les Gypsies, Manitas et les Platanes. j'ai croisé Roberto Ragnagna dans les loges. franchement, il manque plus que les Village People et on est au complet là. Hein. Écoute, t'es pas là pour faire des réflexions, t'es là pour faire. Et puis en plus, Patrick, vous faites un concours de mode. Attendez, là, Patrick, venez là, regardez. Alors Dolce Gabbana, Cheruti, Armani, Prada, il connaît pas. D'accord, foutre-toi. Moi. Il croit que c'est l'équipe de foot de l'Italie? Non, écoute, hey, Christelle, je t'ai pas fait venir pour juger de nos tenues qui sont magnifiques, n'est-ce pas? Parfait. Ah bah ouais. Je peux enfin m'habiller comme je veux. Mais Piaf et les Gitans, c'est pas possible ça? Mais si, évidemment que c'est possible. C'est un scoop, Piaf a chanté avec les Gypsies. Si, et je peux le prouver, Chico. Tu peux faire péter la musique, Jean-Louis, s'il te plaît? Stop. Attends, comment tu veux qu'il fasse olé avec ça, là? Bon, ok, les gars, vous voulez bien m'aider? Ouais. S'il te plaît, toi, tu peux faire péter un accord Gypsy, s'il te plaît? Non, 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 non. Et ben voilà. Non, non. Je ne regrette rien.
jamais fou d'où passer. Avec ma symphonie, j'ai allumé le feu fuego. Mais chacun mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amants avec la tremolo. Balayer pour toujours, il répare à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni les malais. Tout ça m'est bien égo. Non, rien de rien. Hey! Non, je ne regrette rien. Car ma vie a mes choix. Spécialement pour nous. Bon, ben voilà, on a regardé, c'était bien. Je suis content de te voir, mon chéri. Moi aussi, je suis content. Je suis tout heureux, voilà, c'est ça. Sinon, il y a le chef qui va présenter tout à l'heure, là-bas. Ouais, il présente tout le temps, lui. Viens faire un tour avec nous, là. Monte. C'est pour moi. C'est pour mon petit jardin secret. Ce festival de Champéry. Ce festival qui existe depuis 12 ans. 12 ans déjà. Donc, si vous êtes en Suisse ou si vous n'êtes pas loin, passez faire un tour au festival de Champéry. Maxi Rire, ça c'est. Maxi Artiste. On vous fait des gros bisous. Voilà.